promenais au bois et je me sentais d'attaque. Soudain, je fis un faux pas et j'entendis crac. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est? Mon talon était cassé. Ah, quelle affaire! Que faire? Que faire? Que faire? Ces choses-là, ça ne peut pas s'arranger. Ce n'est même pas la peine d'essayer. J'étais pas fière. Avec un pied en l'air, pas moyen de poursuivre mon chemin. Surtout que moi, je marche pas sur les mains. Je ne pouvais pas rester là toute ma vie bravement. Je me suis dit, allons-y, tous les passants s'étonnaient de mon maintien. Les gens s'étonnent vraiment pour un rien. Ah, quelle affaire! J'allais tout de travers. Finalement, je me dis, allez hop, plus de chaussures, faisons comme à Saint-Trope. Heureusement, une auto s'arrêta. Où allez-vous? Un monsieur me demanda sans hésiter. Je me suis jeté dans ses bras. On réfléchit pas dans ces cas-là. Ah, quelle affaire! C'était un vrai corset. Avant même que l'on sente du bois, il m'avait embrassé plus de 100 fois. Sans plus de manière, je me suis laissé tout faire. Quand on n'aime pas marcher les pieds nus, il faut bien sacrifier sa vertu. Ah, quelle affaire! D'ailleurs, j'ai pas souffert. Et j'avoue entre nous que c'est lui, depuis lors qui est l'homme de ma vie. Ce qui prouve que tout peut s'arranger.